Ouais, je me suis fait plaisir, j'avais quand même l'objectif de gagner. Hein. C'était la bonne tactique, je pense que j'avais tout fait parfaitement. Il manque juste un peu de gens pour poursuivre bah, le groupe qui va jouer la gagne. Mais j'ai pas de regret à avoir, j'ai tout donné. Et, ouais, c'était, ouais, c'était magnifique, il y avait un monde incroyable. C'était, ça restera peut-être la plus belle étape de ma carrière, c'était fou. Ouais. Ouais, racontez-nous justement cette émotion, ce que vous avez ressenti, notamment dans le petit ballon. Dans le petit ballon, c'était des frissons, c'était une adrénaline incroyable. C'était juste la folie. Et... C'est indescriptible, ça à vivre. C'est peut-être la dernière fois que je ressentais ça. Et c'est... J'avais juste envie de dire merci parce que tout ça c'est pour moi et j'ai un peu du mal à réaliser. Ouais. C'est ça le cyclisme que vous aimez, ouais, c'est Thibaut Pinot aujourd'hui. C'est ça, et c'est le cyclisme à l'avant, c'est des belles ambiances. Il y a eu beaucoup de respect aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde et voilà, je pense que j'avais les meilleurs supporters du monde aujourd'hui. Ouais. Vous n'avez pas de regret d'arrêter? Non, j'ai pas de regret parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours dit que la boucle est bouclée, mais en tout cas, voilà, je voulais vivre ces dernières émotions et j'en ai vécu aujourd'hui. Et quelle belle récompense aussi de monter sur le podium du Tour de France. Ça, vous allez savourer. Ouais, je vais savourer, et surtout dans un endroit que j'apprécie particulièrement. Ici, c'est vraiment mes routes d'entraînement. C'est l'endroit que je préfère, la route des crêtes. Pour moi, c'est un bonheur. À chaque fois que je viens ici, je suis bien. Et donc, être sur le podium ici, c'est incroyable. Soirée calme ce soir ? Je sais pas. On va déjà faire le trajet en bus, mais c'est sûr, on va fêter ça demain soir. Fêter notre Tour de France, on n'est peut-être pas récompensé, mais je pense qu'on méritait autre chose. Un mot sur Marc Madiot, qui était extrêmement, extrêmement ému ce matin, à l'évocation de votre dernière étape. Vous en pensez quoi? Bah, il est là, Marc. Ah. C'est très dur de voir ça, et j'ai vu mon père aussi à l'arrivée. Je vous embête pas plus, merci. Merci.